Paris, le 31 mai 2020. Papa, une dernière nuit près de toi. Des bougies, un peu de whisky. Ta main si fine et féminine qui serre la mienne jusqu'au petit jour du dernier jour. Ton regard enfantin qui désarme un peu plus le gamin que je redeviens. Au-dessus de ton lit, un bordel de photos. De Jean-Loup Dabadie à Gisèle Halimi. De Desproges à Camus, en passant par Guitry. Ça ne votait pas pareil, ça ne priait pas les mêmes fantômes, mais vous marchiez groupés dans le sens de l'humour et de l'amour. Au bout de tes jambes qui ne marchent plus, tes chats, sereins comme des gardiens. Sur la table de nuit, un fond de verre de coca, ultime lien entre ce monde et toi, quelques gorgées de force qui te permettent, du fin fond de ta faiblesse, de nous lancer des gestes d'une élégance et d'une tendresse insolente. Fâché de ne plus pouvoir parler, tu envoies des baisers muets à ta femme adorée, à ta fille bien-aimée, à la fenêtre de l'île Saint-Louis, au soleil que tu fuis. Des gestes silencieux qui font un boucan merveilleux dans nos yeux, malheureux. Tu auras mélangé les vacheries et l'amour jusqu'au baisser de rideau, les foutais le camp et les je t'aime, caresses et gifles jusqu'au bout. Incorrigible cabotin, tu avais bien prévu ton coup. Dans ton dernier morceau de mémoire, tu avais mis des « vous êtes beau ». Je suis heureux, j'ai de la chance. C'est ta mère, là, devant moi. C'est ma femme. Tant mieux. On va t'emmener maintenant, dans ton costume de scène, celui des sketchs et des revues de presse, des télés et des radios, celui qui arpenta la France en long, en large et en travers de la gorge de certains maires. J'ai dénoué ta cravate noire. On va t'emmener où tu voulais. C'est toi qui dictes le programme. C'est toi qui conduis sans permis. D'abord à l'église Saint-Germain, tu n'étais pas très pote avec les religions, mais les églises, ça t'emballait. Tu disais, faudrait qu'on puisse les louer pour des spectacles de music-hall, des projections de films, des concerts de poésie. Il y aura des athées, plein d'arabes et plein de juifs. Ça aurait consterné ta mère, tu aurais bien aimé que ta mère soit fâchée. Puis on t'envole en Corse, dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d'Alger. On va chanter, avec Isia et les Tao, du Higelin, du Trenet, du Dabadi et Nougaro. On va te faire des violons, du mélodrame a cappella. Faut pas mégoter son chagrin à la sortie d'un comédien. Faut se lâcher sur les bravos et occuper chaque strapontin. C'est leur magot, c'est ton butin. D'autant que je sens que tu n'es pas loin. Tu n'es pas mort. Tu dors enfin. Nicolas Bedos.